La famille royale, eh bien, ses recettes ont doublé par rapport à l'année dernière. Bonjour Maëlys Septembre, vous êtes notre correspondante à Londres. Les montants, Maëlys, donnent le tournis, on parle d'1,3 milliard d'euros. Oui, exactement, 1,3 milliard d'euros. Cette coquette somme, elle correspond aux bénéfices tirés des terres et des propriétés de la famille royale l'an dernier. Un montant qui a plus que doublé en un an pour atteindre ce niveau record, selon le rapport des finances de la couronne dévoilé cette semaine. Dans le même temps, on apprend dans ce rapport que la famille royale compte bien en profiter pour verdir son mode de vie. Au programme, de nouveaux panneaux solaires sur le toit du château de Windsor, la conversion des limousines royales au biocarburant et même, dès que possible, l'utilisation de carburant durable pour faire fonctionner les hélicoptères royaux. Alors vous l'imaginez, certains détracteurs y voient tout de même une tentative de greenwashing. Le palais de Buckingham lui a déclaré que la famille royale britannique compte bien innover pour réduire son empreinte carbone, même si pour l'instant les émissions de CO2 de la couronne sont à la hausse.